Tout le monde connaît cette astuce, non? Regarde ça! Waouh! Et si on essayait autre chose? J'ai percé un trou dans le bouchon et puis j'y ai enfoncé un cure-dent. Le cure-dent maintient la menthe en place. Je vais glisser le bouchon sur la bouteille de soda puis retirer le cure-dent. Waouh! Regarde ça! C'est un jet de soda qui sort du trou! C'est trop cool! Waouh! Ennuyeux! Je l'ai vu! Oh, attends! Ça a l'air bien! Je vais verser le savon dans un bol. Ça devrait suffire. Ensuite, il me faut le bouchon d'une bouteille de soda et une chaussette propre. Mêlez ensemble, puis trempez dans le savon. Ensuite, que la fête commence! Vous êtes prêts? C'est parti! Waouh! Des bulles! Incroyable! Il faut que j'essaye ça! Mais il y a un petit souci. Je n'ai pas de chaussettes. On dirait que ce ne sera pas pour aujourd'hui. À moins que... Je suis sûre que ça ne dérangera pas Jake. Cette chaussette est à moi. Ça va être du gâteau. Jake? Eh oh! Je l'ai! J'ai déjà senti pire. Ok, quelle est la suite? Un arôme délicat. Ah! Je peux utiliser cette bouteille de soda. Salut Justin, je prends ça. Hein? Qu'est-ce qui vient de se passer? Bon, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Je vais couper le haut de la bouteille. C'est parfait. Maintenant, je vais glisser la chaussette par-dessus. Je vais la plier pour la maintenir en place. Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'un bol de savon. Je crois que je suis prête. Je vais tremper la chaussette dans le bol. Je dois m'assurer qu'elle est bien imbibée. Et maintenant, je vais souffler. Ça marche! Regarde toutes ces bulles! C'est génial! Je pourrais faire ça toute la journée! Pourquoi est-ce qu'il fait si froid? Super, j'ai perdu une autre chaussette! Bah, peu importe! Comment les gens pensent à ça? C'est tellement créatif! Oh, c'est quoi ça? J'adore la pâte à tartiner au chocolat! Qu'est-ce qu'il fait? Oh, d'accord! Je vois. Ça fait beaucoup de lait. Et maintenant? Attends, je crois savoir ce qu'il fait. Est-ce qu'il fait un milkshake? J'y crois pas, c'est tellement facile. Et ça doit être tellement bon. Je vais faire un essai. D'abord, je dois prendre de la pâte à tartiner au chocolat. Ah, la voilà. Je vais voir s'il en reste. Justin et Chris mangent toujours tout. Ça devrait le faire. Maintenant, j'ai besoin de lait. Je vais verser le lait dans le pot. Je vais le remplir complètement. Ça suffit. Je vais m'assurer que le couvercle est bien fermé. Je ne veux pas qu'il y ait d'accident. Maintenant, je vais le secouer. Ouf, je commence à fatiguer. Ah, ça prend trop de temps. J'ai besoin d'un coup de main. Les maths, c'est trop marrant. Ah, Chris fera l'affaire. Salut Chris, tu veux bien remuer ça pour moi? Je te tiens ça. Mais je faisais des maths. C'est pas grave, je vais les faire de tête. Si X est égal à 3, tu te moques de moi? Bon, laisse tomber. Les maths aussi, c'est amusant. Regarde ça, un tour de passe-passe. Hé les gars, vous pouvez secouer ce pot pour moi? C'est trop facile. Hé Jake, attrape! Waouh! Et ça repart! C'est tout ce que tu as? Oh oh! Oh! Ne le fais pas tomber! C'était moins une! Renvoie-le! N'y pense même pas! Oh, mais c'était marrant! Essaye d'attraper ça! Ça devrait le faire! Ça doit être suffisamment mélangé! Il est temps de profiter de ma boisson chocolatée! Oh, ça sent bon! C'est parti! C'est tellement bon! Ça sent le chocolat. Je peux goûter? Bien sûr, tiens. Merci. Oh, c'est quoi? Trop dégueu! Sérieusement? C'est immonde, il faut que je me lave les dents. C'est quoi son problème? J'aime bien, moi. Hé, Luna, attrape! Hein? Oh, ouais! Je suis un peu occupée, désolée. D'accord. Tu es sûre que tu ne veux pas jouer? Sûre et certaine. Je sais. Hé, Luna! Qu'est-ce que tu fais?
Ça a glissé. Fais plus attention la prochaine fois. Je peux regarder ma vidéo? C'est un truc de dingue. Qu'est-ce qu'ils font? Hein? Ce n'est pas un ballon de basket. Peut-être que je devrais essayer. N'y pense même pas. Oh, mon ballon! J'en ai besoin pour un truc. Je pose le ballon sur la table, puis je colle une bande de scotch noir par-dessus. Ensuite, je place une autre bande dans la direction opposée. Et enfin, j'en ajoute une en diagonale, comme ceci. Je pense que c'est bon. Hé, Gabi, regarde ce que j'ai. Attrape! Attends! Oh! Est-ce que c'est mon ballon? Waouh! Tu l'aimes? C'est génial! Ça devrait la garder occupée. Hé, Luna! Regarde ça! Luna! Luna? Oh, t'es pas drôle! Prends ça! Est-ce que tu viens de me le lancer dessus? C'est plutôt marrant! Tu ferais bien de courir! Je dois y aller! Ce TikTok est tellement drôle! Coucou chérie, je viens de rentrer des courses. C'est super papa! Je vais poser ça ici, le temps que je range les courses. Oh oh! D'accord! Waouh! C'est quoi ça? Ça a l'air bon! Qu'est-ce qu'elle va faire ensuite? Oh, elle met la boisson dans la pastèque! Ça me donne soif! D'accord, et maintenant alors? Elle va la couper, mais il y a du soda dedans! Waouh, c'est trop bien! Il faut que j'essaye ça! Si seulement j'avais une pastèque! Une seconde! Je suis sûre que ça ne dérangera pas papa! D'abord, je dois faire un trou dans la pastèque! C'est pas mal! Maintenant, je verse le soda! Il ne faut pas que j'en mette à côté! J'espère que ça va marcher! Je crois que c'est tout bon! Je vais retirer la bouteille. Hein? Il y a quelque chose qui ne va pas. Je ferai bien de vérifier. Pas besoin de couteau. Tes leçons de karaté ont vraiment porté leurs fruits. On dirait une pastèque ordinaire. Qu'est-ce que j'ai fait de travers? Oh, oh, papa revient! Où est passée cette pastèque? Je suis certain de l'avoir laissée là. Où est-elle passée? Une pastèque? Mais t'avais pas de pastèque. Mais, c'est très étrange. La 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 la. Ah, ça fait du bien de se détendre. Oh non! J'ai plus de jus. C'est embêtant. Oh, c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'ils mettent une orange dans le micro-ondes? D'accord, là, ça m'intrigue. C'est trop bizarre. Attends, je crois savoir ce qui se passe. La roulée la rend plus juteuse. Est-ce qu'ils vont boire directement le jus de l'orange? Oh, j'ai compris! La paille fait office de robinet. Ça a l'air bon. Peut-on faire plus frais que ça? C'est carrément cool! J'ai plein d'oranges! Et j'ai encore soif! Je vais tenter le coup. D'abord, je dois passer l'orange quelques secondes au micro-ondes. Je vais mettre le minuteur. Et j'attends. Oh, c'est prêt! Qu'est-ce que... Je ne m'attendais pas à ça! Je ne vais pas me plaindre. Oh, c'est vide! Attends... C'est quoi ce bruit? J'aurais dû m'en douter. C'est drôle en fait. Tu vois, salut! Justin, rends-moi mon orange! Bon, je vais réessayer. Cette fois, je vais garder un œil dessus. J'ai pas envie que Justin me la vole encore. Ça y est! Ouïe, ouïe! C'est super chaud! Maintenant, je vais la faire rouler dans ma paume. Oh, elle a déjà l'air plus juteuse! Maintenant, j'ai besoin d'une paille. Je l'enfonce dans l'orange. Où est mon verre? Ah, le voilà! Maintenant, je vais extraire le jus. Où est le jus? Allez! Tu vas te couler, oui! C'est tout? C'est tout ce que j'obtiens? Ce serait dommage de le gâcher. Bien, bien, je suis un peu déçue. Qu'est-ce que tu fais? Prends ça! Oh, merci, Justin! C'est exactement ce qu'il me fallait! On assure trop sur TikTok. Oh, oh, je crois qu'on va avoir des problèmes. Vous êtes devenu fou ou quoi? Regardez-moi ça, c'est insensé. Tu sais quoi? On devrait leur ouvrir les yeux. Souriez, c'est le moment de faire quelques TikTok. Oh là là, où sont-ils partis? Ça va aller.
Oh, comment est-on arrivé ici? Qu'est-ce que c'est? Il y a écrit Start. On devrait peut-être appuyer dessus et voir ce qui se passe. Waouh, TikTok! Regardez ce qu'on fait! Phew, c'est fatigant, je suis épuisée! Waouh, nous devrions peut-être faire plus d'exercices! Et si on buvait quelque chose? Ça va nous rafraîchir! Bonne idée! Oh, ces bulles sont de taille idéale! Santé! Attends une seconde! Qu'est-ce que tu fais? Je regarde quelque chose sur TikTok! Viens voir! T'as vu? Elle fait un truc avec de la limonade! Je me demande ce qui va se passer! Oh, c'est de la barbe à papa! Oh, elle la met dans la limonade! Elle change de couleur! Et maintenant, elle ajoute de la barbe à papa jaune! J'aimerais tellement essayer! Moi aussi! Oh, regarde ce que nous avons là! Waouh! Regarde, ton imagination a créé de la vraie barbe à papa! Quoi? Alors on va pouvoir faire ce TikTok? Mais oui! On a ce verre et on a de la limonade. Je remplis le verre et on va pouvoir passer à la prochaine étape. Allez! Je la trempe. Jolie, elle a fondu. On en met encore? Vas-y, mets-la dedans. J'adore la manière dont elle disparaît. C'est féerique. J'ai l'impression de faire de la potion magique. J'ai envie d'essayer avec cette couleur. Bonne idée, moi aussi. Ouais, ça paraît bien. J'ai ma paille, tu as la tienne? Allez, goûtons cette boisson! Oh, c'est délicieux! Oh, cette lumière est dingue! Maman, maman! Regarde comme je saute! Wouhou! Je vais super vite! Ouais, je ne vais jamais m'arrêter! Youhou! Ah, magnifique! Mouah! Hé, regarde ce que je peux faire avec ça! Tu me regardes? Regarde comme je peux étirer ce truc. Et je peux faire ça avec, t'as vu? Wouhou! Et qu'est-ce que je peux faire d'autre maintenant? Oh! Yeah! Oh! Maman! Je vais t'attraper! C'était quoi ça? Oh oui, je te vois, ma chérie. En fait, je peux peut-être en faire quelque chose de ce truc. Prends-en de la graine. Vas-y, chérie, tiens-toi bien droite. Parfait. Regarde cet effet, c'est super sympa. Oh, viens voir. Regarde, tu es trop mignonne. Oh, hé, regarde ça. Ouais, ouais, super. Mais je lis là. Waouh, et ça? Arrête de m'embêter. Je te dis que je lis. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qu'elle fait avec ses nounours en gélatine? Elle les fait fondre et là, elle prend une fraise. Non, elle trempe la fraise dans les bonbons fondus. Incroyable! Ça me donne une idée. J'ai un pot plein de nounours et un saladier. Je peux le faire. Allez les nounours! Au micro-ondes! J'ai juste à attendre qu'ils fondent. Génial! C'est prêt! J'ai hâte de goûter! Pour la prochaine étape, il me faut des fraises. Et d'autres fruits, bien sûr. Oups! J'allais oublier la brochette. C'est super important. La fraise est sur la brochette. C'est le grand moment. Oh! Regardez comme elle plonge dans la gélatine fondue. Je la fais tourner un peu pour bien la recouvrir. J'imagine que je peux pimenter le tout avec un peu de vermicelle. Ils apporteront un peu plus de couleur. Je tourne bien ma fraise dedans pour la recouvrir. Oh mon Dieu! Regardez-la! Elle s'est endormie! Je vais en faire d'autres avec différents fruits. Tourne, tourne, tourne! Oh! La gélatine remplit les petits interstices de la mûre et elle fait briller le raisin. Et n'oublions pas les vermicelles. Ces petits cœurs sont trop mignons. Et voilà, une belle assiette! Allez, il est temps de la réveiller avec un petit claquement de main. J'ai dit claquement de main. Hein? C'est quoi ces lumières? C'est très joli. Tada! Je t'ai fait un petit goûter romantique. Vas-y, goûte. C'est adorable. Tiens, c'est pour toi. Délicieux. Et voici pour toi. Oh, ça croustille. C'est très bon.
Ma chérie, tu vas bien? Ça va, ça va. Tant mieux. Tu en veux d'autres? Non? Ok. Ce livre est super intéressant pour l'instant. Alors, il se passe quoi d'intéressant ici? Oh, waouh! Elle est tellement belle! On dirait trop qu'elle me demande de venir près d'elle. Ok, je suis totalement d'accord. Salut, comment ça va? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Elle m'a totalement zappé. Ok, je vais devoir me montrer encore plus cool. Ouf, les pompes, c'est encore plus dur que ça en a l'air. Encore. Ouch. Oh, c'était dur. Et elle n'était même pas impressionnée. Et si je faisais quelques soulevés? Il se croit stylé. Le soleil tape fort depuis qu'il a bougé. Non, attends, parasol, j'ai besoin de toi pour faire bonne impression. Hé, hey, regarde mon super pop-it. Non, mais t'es vraiment sérieuse, là? C'est un pop-it rose en forme de cœur. Oh, j'ai eu la frousse. Est-ce qu'elle m'a vu tomber? J'ai trop envie d'un truc à grignoter. Je commence à avoir les crocs. Elle a l'air d'avoir un petit creux, j'ai l'impression. Hein? Attends un peu. Je crois que j'ai ce qu'il lui faut. Voilà, j'ai le pop-it. Et maintenant, mettons-y quelques bonbons. Étape numéro 2, un peu de chocolat fondu. Regardez comme il rentre parfaitement dans le moule. Il faut mettre du chocolat partout. J'ai presque fini les dernières rangées. Et maintenant, la touche finale. Parfait! Maintenant, ajoutons un bâton à cette sucette. Et j'attends que ça durcisse. Cool! Hé, j'ai un petit encas pour toi. Oh, sérieusement? Viens, assieds-toi. J'en reviens pas que t'aies fait ça rien que pour moi. T'es trop mignon. Oui, t'aimes bien alors? Je suis trop content. En fait, c'était plus difficile que ce que je pensais. Mais t'inquiète pas, j'en ai là-dedans. Les amis, bienvenue dans notre super émission. Voici une vidéo de l'un de nos fans, Alex. Je suis juste un écolier normal. Mais quand c'est l'heure du travail en classe, j'ai un problème. Je ne trouve rien. Oh. Mickey, j'ai besoin de ton aide. Ça devient trop dur. Oh, quelle tragédie! Ne t'en fais pas, Alex. On est sur le point de chambouler ta vie. C'est le moment de faire le plein d'énergie. C'est parti, les amis! Toc, toc! Waouh, Mickey, je suis content de te voir. Oui, on me le dit souvent. Aïe, tu me fais mal. C'est dans la tête. En avant, les amis! Voyons le problème d'Alex de plus près. Waouh, c'est une catastrophe! Il y a des crayons partout. Je n'ai jamais rien vu de tel. Comment est-ce que tu arrives à travailler? C'est difficile. Il y a même des trucs cassés là-dedans. Je vais les nettoyer après. Quoi? On va le faire tout de suite. Waouh! Maman ne va pas être contente. On n'a pas besoin de ces trucs ennuyeux. Prêt pour le changement, Alex? J'ai exactement ce qu'il te faut. Mets ça. Et regarde. Et c'est parti! Préparez-vous à décoller avec ce petit avion génial. Vous venez juste d'être surclassé. Direction la première classe. Mignon, pratique et intelligent. Il a tout ce dont vous avez besoin. Ce petit bonhomme vous emmènera loin avec son super design. Wow. Pas mal, hein? Voyons ça. Nous l'avons équipé des derniers ciseaux en plastique. Et à l'avant, nous avons une règle pliable. Quelle va être la prochaine invention? Et ces jolies jantes contiennent un taille-crayon. Grâce à la lame de haute précision, plus de crayons cassés. Waouh! Quelle émotion! Et juste ici se trouve une gomme. Elle glisse sur la page en éliminant toutes les erreurs. Regarde-moi ce résultat! Waouh! J'en reviens pas! Ce n'est pas fini. Il y a aussi le dernier poinçon à la mode. Ta-da! Oh, Mickey, je ne savais pas que tu ressentais ça. C'est juste pour l'émission. Allez, lève-toi. Nous devons faire quelque chose pour cette tenue. Oh, je sais. Je préfère ça. Waouh, c'est incroyable. Tu as l'air en forme, Alex. Oh, ouais. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. À la prochaine fois, les amis! À
TikTok a des astuces géniales qui rendent la vie beaucoup plus facile. Mais il y a des astuces qui ne fonctionnent pas forcément aussi bien. C'est toujours amusant de les essayer. Quelle est ton astuce TikTok préférée? Dis-le nous dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis et de t'abonner à notre chaîne pour d'autres vidéos utiles comme celle-ci.